Dis la grâce, Paris. Tu pourrais peut-être faire une exception ce soir. Non. La prière, c'est vraiment pas mon truc et tu le sais, maman. En plus, ça ne marchera pas. C'est contre nature. Il faut vraiment croire en ce genre de choses pour que ça fonctionne. Maman, maman, puis-je dire la grâce? Vas-y, mon cœur. Toi, au moins, tu crains Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, merci d'avoir réuni ma famille autour de cette table. Merci d'avoir donné le visa à ma chère chérie au monde que j'adore pour aller en Europe. Merci, ma puce. Rien n'est sans conséquence, Paris. Je connais cette histoire. Les gens ont pensé faire de l'argent facile, mais ils sont tous morts ou allés en prison. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Va dans la chambre, Fifi. Maman, maman, j'ai faim. Ce ne sera pas long, je te promets. Tiens. Merci. C'est notre dernière nuit avant que tu nous quittes, Paris. Je voudrais savoir qui t'a donné autant d'argent et pourquoi. Quoi que tu aies fait, je suis ta mère. Je suis ta maman. Ça prend beaucoup plus que des larmes pour être maman, tu sais. Bienvenue dans le monde des vivants.
Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Que m'est-il arrivé? Quelqu'un t'a tiré dessus. Combien de temps ai-je dormi? Pas assez. Tu as eu beaucoup de chance. Le médecin a stoppé la balle et... C'est comme ça que tu as survécu. Ça allait bien pire que ça ne l'est vraiment, mais... Tu t'en tires. Que je rentre. Oh, doucement. C'est vrai que j'ai dit que tout irait bien, mais pour l'instant, il faut que tu te reposes. Ok? Mais dans quelle merde tu t'es encore foutu? Tu t'es acheté un ordi? Et si tu me racontais plutôt ce qui t'est arrivé? Viens t'asseoir près de moi. Allonge-toi. À qui t'as dit que je voyageais? Et surtout, ne me mens pas. J'ai rien dit à personne. Si on nous semble là, n'est-ce pas? C'est notre grotte sacrée. Aucun mensonge ici. Je te jure, j'ai rien dit. Seulement 4 personnes connaissaient mes projets de voyage. Ma mère. Ma sœur. Moi. Et toi, Obama. Je te jure, Paris. Je te jure sur la tête de ma mère. Arrête de me mentir! Tu m'as fait promettre, tu te souviens. Et en plus, tu sais que je ferai tout ce que tu voudras. C'est quoi ce bruit? Le vent. J'ai dû oublier de fermer la fenêtre. Bordel de merde! Demi-tour! Demi-tour, les gars! Demi-tour! Une tempête se prépare, mon capitaine! Calme-toi, pour l'amour de Dieu, c'est juste une vague qui passe. Plus vite, chef mécanicien! 90 km à l'heure, capitaine! Génial! Il nous faut dompter ce monstre d'eau avant que la tempête éclate. Sauf pour que respect, mon capitaine, elle est énorme! C'est juste une vague! Oui, mais c'est une vraie mètre! Environ 5 mètres de haut! Et elle s'empire! Ayez foi, messieurs et dames, ayez foi. Nous sommes si proches de la côte italienne que je peux presque sentir l'odeur des boulettes de viande dans la sauce tomate. Accrochez-vous, ça va se coincer! Ne panique pas, tu vas nous faire chavirer. Oh mon Dieu, pourquoi suis-je venue ici, moi? Je préfère encore mourir noyé plutôt que de vivre dans la misère. Mère Paris, que fais-tu de notre devise? Un pour tous, tous pour un. Regarde-moi, c'est une tête de communiste, ça. Merde, il y a de l'eau partout. Obama! On a poussé 120 km par heure. Excellent travail, chef mécanicien. À mon signal, ramenez le bateau face au vent. Bien reçu, capitaine. Oh mon Dieu, c'est du suicide. 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes tous morts maintenant.
contente? C'est pas grave. Nous réussirons la prochaine fois. Tu sais que tu es une vraie psychopathe, toi. Psychopathe? Moi? Je préfère imaginative. C'était bien, non, le jeu de rôle? J'espère que cette petite expérience te fera changer d'avis. Tu rigoles, j'espère. Non, je suis très sérieuse. Tout ce que tu veux, c'est d'immigrer. Et alors? Parce que t'as pas essayé de quitter ce pays de merde, toi? Ballon! Tu as raison, je suis désolée. Et moi, je sais pas nager. La prochaine fois, réfléchis bien avant de mettre ta vie en péril, ok? Ne te dérange pas pour moi. Tant que c'est drôle, ça me dérange pas. Au fait, Samantha, pourquoi tu te laisses toujours embarquer dans les plans foireux de Paris? Ça ne t'intéresse pas. C'est toi l'aîné ici, non? Tu ne devrais pas être notre leader. Répète un peu ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? L'ordinateur ne m'appartient pas. Tu me prends pour une gourde, c'est ça? Je te jure, Paris, il appartient à Dr. Ekobika. En fait, c'est pas vraiment le sien. Il appartient à la clinique. C'est l'arnaque de visa, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. J'aurais pas dû te mettre en contact avec ces gens-là. Ils sont vraiment dangereux. Quand il s'agit d'argent, tout le monde est capable du pire. Qu'est-ce qu'il cherchait? L'argent. Que tu as trouvé l'argent pour tes documents de voyage? Dans quelle merde tu t'es encore foutu? Tu es toujours là? Pourquoi me poses-tu toutes ces questions? On dirait un interrogatoire de police. T'es flic ou quoi? Je suis désolé. J'essaie juste de comprendre qui t'a tiré dessus et pourquoi. Tu vois bien que je ne suis pas morte. S'il te plaît. Je viens avec toi. Non merci, c'est gentil. Tu devrais rentrer chez toi. S'il te plaît, laisse-moi te protéger. T'inquiète pas pour moi. Il ne m'arrivera rien. Je sais me défendre. Écoute, je te promets que je vais tout te raconter. Je te dirai tout, je te jure. Mais pas maintenant, ok?
Tonight's about to be your last. Hé hey bébé, viens baiser. Je t'assure que c'est du bio. Hein, bébé? Je suis en train de te parler. Vas-y, dégage. Tu ne sais même pas ce que tu rates. Ma jolie, viens te faire lécher, mais à moitié prix, hein. Ta gueule, connasse. Vas-y, dégage. Samantha, ouvre cette porte, je sais que t'es là. Ouvre cette porte tout de suite ou je la défonce. C'est quoi ce bordel? Retourne te coucher, pauvre conne. Pauvre conne? Tu sais ce qu'elle a, ta pauvre conne? Elle a ça, ok? Mais pas que. Ta pauvre conne, elle a une putain de merde de carence en calcium qui la fait trembler, hein? Si tu continues à me faire chier, je t'explose. Fatal. Je comprends que tu as passé des années en prison, ce qui explique pourquoi tu as développé un flair pour le dramatique. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est si tu es un déséquilibré mental ou juste un con. Je te promets que je prendrai soin de vous comme des princesses. Qu'est-ce qui te fait croire que ce sera une fille? Parce que je le sens. Je le sens. Je t'avertis. Si tu n'arrêtes pas de te shooter, je me casse. Je ne veux pas d'un addict dans ma vie, ok? On fait tous des concessions. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Eh bien, que juste pour l'amour, on peut tout pardonner. Écoute, ma belle, je t'aime bien, tu sais. Même si tu chantes comme un pied. Idiot. Merci de nous retrouver
l'émission Consamba FM dans la matinale de l'info, il est 8h, passé de 27 minutes. Un Boeing 727 utilisé pour transporter de la cocaïne s'est écrasé à Sinkrebaka, dans le Sahara au nord du Mali. Aucun corps n'a été retrouvé sur le site de l'accident et on ignore toujours ce qu'il est advenu des plus de 10 tonnes de cocaïne à bord de l'avion. Ces dernières années, l'Afrique est devenue un point de transit. Ta mère est passée ici hier matin. Elle est venue me dire que tu voyageais. Elle m'a fait promettre de ne le dire à personne. Merci. Elle dit que tu es superstitieuse. Elle était radieuse, tu sais. Ta mère, joyeuse, ravissante. La marie avant le cancer, bien sûr. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à défendre notre Christ. Et connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Et c'est lui qui tient l'épée, il est riche à son amour. Je suis désolée pour ce qui est arrivé. Désolée. Sais-tu si maman devait de l'argent à quelqu'un? Je sais pas, peut-être une tontine qu'elle aurait oublié de payer. Non. Pas à ma connaissance. Tu sais, personne ne voulait plus lui prêter de l'argent, de peur qu'elle ne rembourse pas, à cause de son cancer, bien entendu. Tu saurais peut-être où elle est allée après t'avoir quitté. Je pense qu'elle est allée faire des courses. Elle voulait te faire un grand festin, tu sais. Son rêve était que tu quittes ce pays sans risque. Paris. Ta mère m'a demandé si Samantha m'a dit où tu as pris de l'argent pour ton voyage. D'ailleurs, où l'as-tu trouvé cet argent? La divine providence. Je ne te comprends vraiment pas. As-tu si honte d'être moi? Oh, s'il te plaît, Samantha, épargne-moi tes grands discours moralisateurs. Ceci est un look de poupée gothique. Rien à voir avec essayer d'être tout bas. L'idéal esthétique pour femme noire aujourd'hui, c'est d'être naturelle. À la Lupita Nyong'o, quoi? Black and proud. Ne t'inquiète pas pour moi. Je m'assume parfaitement. Ah bon? Alors, c'est quoi ce mirage que tu veux nous faire gober là? N'importe quoi. Le truc, c'est que j'aime bien expérimenter. Essayer de nouveaux looks. Voir ce que ça donne. Donc, si j'ai envie d'avoir des cheveux blancs, je me les colore. Tu réfléchis parfois comme les toubabs, tu sais. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. C'est un peu mystique, mais ça me va. J'aime bien. Tu vois? Tu es une fausse blanche. Paris,
Tu es belle. Tu es jeune. Tu es intelligente. Tu n'es définitivement pas une bonté. Presse-toi, le temps tourne. Comment l'as-tu rencontré, ton mec? Ce n'est pas mon mec, c'est juste un client qui va nous faire gagner beaucoup d'argent. T'inquiète pas, je te dis. Pense à l'argent. Ouais, je sais. On a tous un prêt, mais ce coup-ci, je ne sens pas. Je croyais que tu aimais expérimenter. Je flippe littéralement. Et si c'est un tueur en série? Dans ce cas, Dieu va y avoir pitié de nous. Samantha! Ok. Voici ce que je sais. Bravo, bravo, super, bravo. Un verre, s'il te plaît. D'accord. J'ai définitivement fait très bonne impression ce soir. Jean timide. Tant pis pour lui. C'est lui qui perd. Je suis enceinte. Je sais. Ça te dérange pas? Je ne mélange pas affaires et plaisir. Excusez-moi, monsieur. Madame. Oui? Je voulais juste vous dire que vous étiez incroyable. Je vous remercie. Hakim, s'il vous plaît, appelez-moi Hakim. Vous n'êtes pas d'ici, on dirait. Ce sont mes vêtements, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est à l'autre bout du monde, voyons. Moi, c'est Samantha. Ravi de faire votre connaissance, Samantha. Alors, Samantha, puis-je vous offrir quelque chose à boire? S'il vous plaît. Un de plus. Et puis-je avoir la même chose? Bien sûr, monsieur. Alors, qu'est-ce que Hakim a le plus aimé? La chanteuse ou la chanson? Et surtout, pas de fausse modestie, s'il vous plaît. Je ne sais quoi vous répondre. Dans ce cas, laissez-moi vous aider à vous décider. À qui? Je n'avais jamais rien vu de si beau. Alors, que fait monsieur Hakim dans mon beau pays? Du business. Il m'en fallut 20 ans pour épargner un peu d'argent. Oui, c'est vrai que je suis un peu impulsif. Mais 20 ans, tu te rends compte? Tu as eu bien raison de partir, tu sais. Il n'y a rien à faire ici. L'Afrique, c'est que de la merde au quotidien. C'est ce que je pensais aussi avant. Aujourd'hui, par contre, je vois plein d'opportunités. Quoi, par exemple? Toi. Waouh.
C'est flatteur, ça. Wow. Je te donne le triple si tu me ramènes une amie. Non. Oui. Non. Oui. 1500 euros chacune. Vas-y, top là. Mais pourquoi dépenser autant d'argent pour quelque chose d'aussi banal que le sexe? Pourquoi pas? Les hommes ne sont pas du genre à donner sans rien attendre en retour. Je ne savais pas que tu avais un doctorat en cerveau masculin. Non, mais j'ai des années d'expérience à entendre mon père dire combien il ne pouvait cuisiner sans goûter le sel. Parle français, s'il te plaît. Bah, pour mon père, l'inceste, c'était normal, logique, quoi. C'est dégoûtant. T'inquiète, l'ordure va crever en prison. Écoute, nous sommes ici pour nous faire de la thune, d'accord? Nous lui offrons nos chattes et nos seins et en retour, on gagne 1500 euros chacune. C'est un peu cher, mais c'est la vie. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je ne suis pas. Hein? Je suis sérieuse. Vous m'avez mis un truc dans le dos. Happy birthday to you. Hey, c'est mon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Akin. Happy birthday. Je suis un Kéki. Andrew Zulu. Chagadre. Je suis un Kéki. Je suis un King. King Kong est mort. À quoi je ressemble? Qu'allons-nous faire maintenant? On se barre d'ici et on oublie tout ce qui vient de se passer, ok? Comme des voleuses? Oui. Non, 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 c'est pas vrai! Quoi? Tu te rends compte? Le mec voulait nous baiser gratos. Non, 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 comment on s'est fait avoir? Comme des bleus, par une espèce de King Kong addict et mytho. Nous n'allons quand même pas le laisser ici? Absolument que oui. Où est mon autre paire de chaussures? Mais nous ne savons même pas qui il est. Si, il s'appelle Akim. Peut-être que ce n'est même pas son vrai nom. Je n'en sais rien et je m'en fous. Avec son faux accent de mbéguiste, mon cul, ouais. De toute façon, je me fous de tout. Tu comprends ce que cela signifie? Je m'en compte fou. Et si quelqu'un nous a vu arriver? Et alors, on ne l'a pas tué? Ah putain! Où est passé mon autre paire de chaussures? Oh putain! Tu veux bien arrêter de te plaindre, s'il te plaît? Bon Dieu! Il est vraiment... Tu
J'étais ma meilleure élève, tu sais. La peinture, c'est pas mon truc. Tu sais, Paris, les Africains vont à l'Occident pour étudier l'informatique, la médecine, la banque. Et moi, j'ai choisi les beaux-arts. Quel con! Quand j'avais 13 ans, mon prof disait que j'étais la plus belle fille du monde. Il avait une voiture. Et moi, je n'étais jamais montée dans une voiture. Je voulais savoir ce que ça fait, être assise à l'intérieur, me faire conduire. Donc je l'ai laissé faire tout ce qu'il voulait. Ma virginité pour une voiture. Ça par contre, c'est con. Pourquoi es-tu revenue? Tout simplement parce que mon visa s'est expiré et je n'avais pas de l'argent pour le renouveler. La vie n'est pas facile. Il faut s'accrocher. S'il te plaît, Paris, ne te comporte pas comme si tu connaissais comment vivre les sans-papiers. Ma chérie, c'est dur, mais on est mieux chez soi. En même temps, l'exact opposé est également vrai. N'est-ce pas la raison pour laquelle ta sœur a failli se faire tuer en essayant de quitter le pays? Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais, je peux comprendre que tu sois en colère et frustrée par le manque d'opportunités qu'il y a dans ce pays. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est où tu as trouvé les 5 millions pour ton voyage. Parce que pour la plupart des gens, l'argent ne tombe pas du ciel. Comment sais-tu que c'était 5 millions? Passer la nuit dehors, c'est ça? Dis que personne ne veut de toi comme épouse.
qui voudra d'une pute chez lui. Tu te prends pour qui? Pour ma mère? Tu t'adresses à qui comme ça? À ton avis. J'arrive pas à croire que tu puisses me soupçonner d'avoir commis un crime aussi horrible. Nous sommes comme des sœurs, voyons. As-tu parlé de l'argent à ta sœur? Oui, et je suis désolée, d'accord. Mais qu'est-ce que cela a à voir? Vas-y, Paris. Quel genre de monstre tu crois que je suis? Pourquoi doutes-tu constamment de notre amitié? Est-ce la raison pour laquelle tu as oublié de me dire que tu voyageais? Comment tu sais ça, toi? À ton avis, ta mère l'a dit à ma sœur et ensemble, les gens ont dû informer tout le bidonville. Nous devrions aller à la police. Ah non, il en est hors de question. Ils sauront que nous leur cachons quelque chose et par la suite, ils voudront nous prendre tout notre argent. Non, mais c'est quoi ton problème? Je te préviens, tu te retournes encore, je te pète ta gueule, ok? Et toi, quel est ton problème? Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est pour tout de suite, ma belle. Donne-lui un donbon là-bas. Nous sommes dans la merde jusqu'au cou. Ça, je l'ai bien compris. Mais comment faire pour... Putain! Cette salope m'a vraiment baisé, quoi. Ce n'est pas une critique que je te fais, mais... je pense qu'on devrait jouer offensif et découvrir qui est derrière tout ça. C'est peut-être Hakim. Qui sait, peut-être il n'est pas mort après tout. Il est mort. Comment peux-tu en être sûr? Parce que comme je l'ai dit, il est mort. Mes yeux l'ont vu mourir. Les tiens aussi. Et ton petit ami? Tu lui en as parlé? Il n'est pas mon petit ami. Alors pourquoi est-ce que vous avez une relation? Qu'entends-tu par relation? Arrête, Péné. On sait tous que vous couchez ensemble. Et Wane, on ne couche pas ensemble, je le baisse. C'est ça la différence, d'accord? Tu ne penses pas qu'Otama a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé? Quand même, tu es de sang-froid. Ça fait vrai psychopathe, non? Je sais pas. Vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis notre rencontre avec Hakim, nos vies ont changé du tout au tout. Ok, Sherlock, par où on commence? Le mec me déteste vraiment. Son rêve est de devenir un jour médecin. Pas ton petit ami. Mais de ça mon cul, ouais. Le mec est aide-soignant et il joue déjà l'apprenti sorcier avec la vie des gens. Étudiant en soins infirmiers. Encore pire. Depuis qu'un infirmier s'installe à son propre compte,
Il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve des conneries pareilles. Mais c'est quoi ce bazar? J'ai créé ce centre de santé pour aider notre communauté. Cette chambre est le centre d'urgence le plus proche pour de nombreuses personnes. Ce que je fais ici sauve des vies. Tu comprends ça? C'est très important ce qui se passe ici. Ce n'est pas ce que tu penses. La nuit dernière, un voleur est entré chez moi. Il m'a tout pris. Mon argent, mon passeport, ma famille. Ce n'était pas moi. Je te jure, Paris. Tu sais que je te ferai jamais de mal, ni à toi, ni à ta famille. Je t'aime, Paris. Je suis amoureux de toi. D'où sors-tu tout cet argent? Mon oncle. Le petit frère de mon père qui réside en Suisse. J'ai reçu une acceptation de l'université catholique. On se barre. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Et si on se faisait prendre? Voilà déjà une semaine, aucune mention de sa mort nulle part. Aucun avis de recherche de la police. Personne ne nous a vus ce jour-là. Pourquoi revenir sur la scène de crime? Et si l'argent appartenait à une société secrète? Alors là, ma chérie, ton timing, il est vraiment nul. Qui avait réservé la chambre? Il l'avait fait. C'est aussi dans cette même chambre que nous avions passé notre première nuit. C'est également dans cette chambre que nous avons trouvé l'argent. Je te vois venir. Le mec, il est mort d'overdose. Puis il faut que la chance nous sourie. Je refuse de croire à cette théorie du complot. Ça, ma chérie, c'est parce que tu n'as aucune imagination.
Je sais que tu te sens coupable de tous les événements qui ont lieu ces derniers jours. Ta mère, ta sœur et le corps du pauvre mec que nous avons laissé derrière nous. C'est lourd à porter tout ça. N'importe quel humain aurait succombé. Oui, mais pas toi. Disons que j'ai une vision pragmatique des choses, ok? Je fonce. Bon sang, qu'est-ce que tu fabriques? Attends une minute. Je fais la garde. Moi aussi, je sais faire la garde. Oui, mais je suis celle qui est venue avec une arme. Pousse-toi. Tu es sûre de savoir ce que tu fais? Je suis une grande fille, Paris. Tu en es certaine? Parce que t'as l'air de galérer, là. Vraiment? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu penses que ce sont les services secrets? Ça n'existe pas ici. Nous devons parler à Otam. Otam? Pourquoi? Parce qu'une con s'en va à un petit bled et le mec a passé beaucoup de temps en prison. Je sais pas, peut-être il connaît quelqu'un qui a entendu quelque chose. Je suis désolée, mais je peux pas. Hé, hey, c'est quoi l'embrouille? Parce que chaque fois que je mentionne le nom de ce type, tu flippes. Arrête de m'accuser faussement d'embrouille. C'est juste que je veux pas qu'il mette son nez dans mes affaires, ok? En plus de ça, nous ne sommes pas des potes. Ce type est ton petit ami, Samantha. Pour la dernière fois. Il n'est pas mon petit ami. C'est juste un mec avec qui j'ai couché un soir de lune. Et puis merde. Pourquoi ta mère t'a donné le nom d'une ville? Quand même, Paris. Maman travaillait comme réceptionniste à l'hôtel Hilton à l'époque. Donc, c'était soit m'appeler Dorcas, comme ta sœur, ou encore Paris, d'après Paris Hilton. Franchement, c'est une tête à s'appeler Dorcas, ça. Tu y penses encore? À ce qui t'est arrivé en Libye. Mm-hmm. Je suis désolée. T'inquiète pas, je serai pas la première à péter les plombs. Il est pour quelle heure ton bus? Dans 6 heures, je crois. On y va. Mais l'avion part aujourd'hui. Oui. Il y a toujours quelqu'un qui désespère à émigrer, non? Appelle ce monsieur. Il pourra peut-être t'aider.
Puis-je vous aider? Non, merci. Mais lui, certainement. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est de ma faute. Venir ici était mon idée. Disons que nous sommes dans la merde jusqu'au cou et il n'y a que toi qui puisses nous aider. Monsieur Otam, écoutez, je suis une vraie ordure. Oui, je mérite sûrement d'aller en prison. Je veux dire, je mens, vole, triche, fornique. Mais ce qui est sûr est que je ne suis pas un assassin. Je suis désolée, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Laisse-nous. Ah non, je n'irai nulle part. Tu dégages. J'ai oublié mon téléphone. Non, mais ça va pas. Tire-toi, espèce de connasse. Ok. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps de tout expliquer maintenant. Tu as un vol à prendre et c'est un long courrier. N'oublie pas que tu dois être à l'aéroport 3 heures au moins avant l'embarquement. Je te connais, Paris. Je sais ce que tu penses. Mais personne d'autre ne mourra aujourd'hui. Tu me connais? Je sais que dans ton cœur, tu veux te venger. Mais crois-moi quand je te dis qu'il serait plus sage de faire profil bas. Elle a raison. Il vaut mieux une parole de paix que 10 000 mots inutiles. Samantha, dites-moi pourquoi. Je veux savoir pourquoi, j'ai besoin de savoir. Il y a tellement de choses que je ne sais pas. Ce monde est un vrai mystère. Tout ce dont je suis sûre, c'est que, à cet instant précis, j'essaie de tirer le meilleur parti d'une mauvaise décision. Je me suis engagée dans une sorte de pacte avec des gens que je ne connais pas. Et maintenant, ma vie ne tient qu'à un fil. Des mecs sont passés au bar. Il savait ce qui s'était passé la nuit d'avant. Hakim, la groupe, sa mort, l'argent, bref, tout. Ils m'ont proposé un marché. Aller directement à la police et raconter ma version de l'histoire ou garder l'argent, tout. Et l'investir dans mon idée de boîte de nuit en échange de l'équité. Tu te rends compte? Ils ont adoré mon idée de boîte de nuit. Bref, j'ai accepté de jouer à leur jeu d'investissement. Mais j'avais besoin de ta part d'argent pour augmenter mes chances de succès. Tu vois, Paris, c'est juste un jeu. Un putain de jeu. Tu es toute ma famille. Et t'es ta stratégie? Non, non, crois-moi. Je suis désolée, d'accord? Ce n'était pas le plan. Cet imbécile devait juste prendre l'argent et se casser. Mais à ce que je vois, les choses ont mal tourné. Ah, ok. Donc, cette merde t'a dit qu'il a perdu le contrôle, c'est ça? T'as-t-il dit qu'il a violé Fifi avant de la tuer?
Elle avait 10 ans. 10 ans, Samantha. Tais-toi, Bounty. Ne me traite pas de Bounty. Non. Tu ne l'as pas fait. Elle ment. Elle ne t'a même pas dit qu'elle quittait le pays. Non, mais tu te prends pour qui? N'importe quoi. Je te jure, Samantha, je n'aurais jamais pu te faire une chose pareille. Comment tu as pu me faire un truc pareil? Comment peux-tu être aussi cruel? Pourquoi? Espèce de malade mental! Ah! Tu as vu ce que tu as fait? Elle s'est tirée! Qu'est-ce que tu fais planter là? Rattrape-la! Non, mais tu es vraiment le roi des cons, toi! C'est par là! Come on! This whole thing is stinking, but I want. Il est temps de nous dire adieu. Tu vas me manquer, tu sais. Je vais te manquer moi aussi. Oui. Non. Bon, un tout petit peu alors. Hein? Tu n'étais pas censé sortir la langue, tu sais. Ton rêve, c'était de traverser la Méditerranée en bateau, non? Et ose dire que je n'ai jamais rien fait pour toi. S'il te plaît, Samantha, ne fais pas ça. Tiens l'argent, garde-le. Remets-moi juste mon passeport. Je ne dirai rien, je te jure. Je disparaîtrai pour toujours. Trop tard. Vas-y, Samantha, c'est moi, Paris, ta meilleure amie. Quand on était enfant, on jouait sous la pluie, dans la boue. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, je m'en souviens. Et je me souviens aussi que c'est la toute première fois en toutes ces années d'amitié que tu perds et que je gagne. Bye bye. Sûr de lui. Tu ne me fais pas un petit bisou? Personne n'était censé mourir. Je sais. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, tu sais. Ah oui?
Ah, attends, Samantha, qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu me fais mal. Ah, je suis désolé. Je te jure que tu me refais un coup pareil. Est-ce que tu es incroyablement belle quand tu te fâches? Tais-toi, t'es trop bête. Je te vois déjà derrière les platines. Tu feras le club de jazz le plus branché de la région. J'ai toujours cru en toi, Samantha. Mais tu sais ce qu'on dit. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Mademoiselle, mademoiselle, répondez-moi, vous allez bien? Mademoiselle, répondez-moi. Allô? Ça va? Salut. Bien dormi. Vas-y. Sauve-toi. Dommage. Oh!
Allô? Devine combien je me suis fait. 600 000 francs. Qui aurait cru mon amour? Je tue ton amant si tu ne me ramènes pas mon passeport. Vas-y, tue-le. Ne me nargue pas, Péné. Je n'oserai pas parler. De toute façon, si quelqu'un mérite bien de mourir, c'est lui. Je te promets que je ne vais pas pleurer. L'argent pour mon passeport. Ok, j'accepte l'échange. Rendez-vous dans une heure au lieu habituel. Vas-y, mon gros. Viens voir maman. N'aie pas peur. Viens, on va jouer un petit jeu. Tu aimes les chocolats. Pardonne-moi, mon père, car j'ai péché. Je n'ai jamais pensé tuer quelqu'un, mais ma rage était si forte que je le voulais mort. C'est comme si je l'avais tué de mes propres mains. Samantha, c'est quoi tout ce plan en fait? T'inquiète pas, tu le sauras bientôt. Mais qu'est-ce qui te prend, espèce de grande malade?
de malade mental. Vilain, va. Lâche-le. Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu fais? Ramasse-le. Je te préviens, c'est une bille en acier. À cette distance, il crois-moi, il n'a aucune chance. Où sont mes documents? Patience, ma chérie. Vas-y, sois gentille. Balance le sac. Surtout pas. Tais-toi, boiteux. Hé, arrête de l'insulter. Ok, pas de soucis. Maintenant, balance le putain de sac. Où sont mes documents, Samantha? Aïe, aïe, aïe. Je constate que tu ne me fais plus confiance. Désolée si ça te fait de la peine. Je suis vivrée. Merci. Tu peux y aller. Doucement. Non, Paris! Comment ça marche ce truc? Et bang! Il faut dire que cette fois, je t'ai pas loupé, hein? J'espère que tu pourriras en enfer. C'est tout ce que tu as à dire? Oh. Je te croyais plus intelligent que ça. Vas-y, bute-la! Non! Ne l'écoute pas! Oh mon Dieu, Samantha! Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas si grave que ça, je t'assure. Il fait juste semblant. Tourne-toi! Tourne-toi, je dis!
Avance. Ce n'était pas censé se passer comme ça à Paris. Le plan était simple. Otam vole l'argent et il se casse. Personne n'était censé mourir. S'il te plaît, Paris. C'est moi, Samantha. Ta meilleure amie. Avance. Tu te rappelles quand on était petite? On jouait sous la pluie, dans la boue. S'il te plaît, Paris. Ne fais pas ça. Je suis enceinte. S'il te plaît. Tu sais quoi? Je t'emmerde. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Elle l'a bien cherché. Tu pleures pour moi? Sois pas stupide. Avec un peu de chance, tu pourras rattraper ton bus. Je suis vraiment désolée. Ne le sois pas. Tout est de ma faute. Absolument tout. C'est de ma faute si ta mère est morte. C'est de ma faute. Si Fifi est morte, il y a 3 jours, les hommes sont passés à la maison. Ils voulaient savoir si tu comptais toujours quitter le pays. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Une scolarité à l'université catholique. Je suis vraiment désolé. Non! Pourquoi?
to leave this place, leave the town where I was raised. Say farewell to those who stay, live to fight another day. But I'm not looking back, it's too late. I'm not looking back. As we strive to make amends, raise a glass to absent friends. Young should ever end, a dying gem will start again. I'm not looking back, it's too late. I'm not looking back. So try. The dying tremors are again.